Ce matin, je me réveille tel un homme normal qui se réveille. Et là, en regardant par la fenêtre, je me rends compte que... il neige. Donc là, je me dis, c'est complètement... incroyable. Donc là, direct, j'ai même pas réfléchi, je me suis précipité vers la porte de sortie. Et j'ai vite compris que... il neige. C'est de toute bonté. Quoi, c'est pour fêter ça, on va sortir dehors. Moi, je suis l'équipe, quel bail. Il y a un truc, il y a une goutte d'eau, elle est glacée, puis elle bouge. Quel bail. Dis-moi, il y a de la glace. C'est incroyable. Oh. Aïe. Oh, les gars, regardez-moi ce blanc. Ce blanc magnifique. C'est beau, les gars. Il neige, les gars. Il neige. C'est de la neige. C'est de la neige, voyant-dent, tu sais. Là, il est profond, hein, quand même. Hein, pour en France, à Paris, ça m'étonne. Hein. C'est vraiment étonnant. Voilà, les gars, c'est juste pour faire une vidéo que, en fait, il y a de la neige chez moi, genre. Voilà, c'est... je sais que ça peut paraître bizarre pour certains. Peut-être pas pour d'autres. Mais pour moi, c'est pas bizarre puisque c'est incroyable, les gars. Il neige, en fait. C'est fou parce qu'en fait, genre, il a pas dû neiger pendant des décennies, en fait. C'est pour ça que ça mérite d'en faire une vidéo, quoi. D'ailleurs, pour fêter ça, il faut bien faire des petites tractions, là. Putain, la petite barre, là. Moi, une fois, tu vois, je me suis fait un torticolis de baiser sa mère. Avec ça, là. Avec juste 20 kilos. 20 kilos de lest. Pourtant, en ceinture, mais c'est rien, 20 kilos, tu vois. Pourtant, en fait, j'ai forcé, genre, tu vois. Puisque quand tu fais plein de reps, bah, au final, tu meurs, tu vois. Et à la fin, j'ai fait... et puis après, bah, frère, tout mon truc, il s'est... enfin, en fait, j'ai trop... en fait, j'ai forcé. En fait, en tirant, tu sais, j'ai forcé. Parce que c'est le but, tu vois. Il faut un peu forcer. Enfin, faut souffrir, tu vois. Du coup, moi, j'ai forcé. Et, tu sais, pour atteindre le menton, du coup, j'ai... choc barre de baiser. Au-dessus de la barre, tu vois. Et au final, j'ai entendu un crack. Bam, direct, j'ai lâché. Et je pouvais plus bouger ma tête comme ça, genre, je pouvais plus. Genre, ou alors ça faisait grave mal. Du coup, j'étais obligé de rester comme ça. Ah, salut, ça va, mec, tu vois. Du coup, bah, c'était chiant. Ah, petite anecdote anecdotique. Vas-y, l'équipe, tu connais. C'est pour ça, l'échauffement, maintenant, c'est important. Parce que si vous échauffez pas, bah, nique sa mère, quoi. Let's go. 1, 2. Ok. On va en faire 10 pour l'instant tranquillement. C'est les tractions en fait, c'est chaud hein. Faut commencer mollo, doucement. Mais sinon les gars, je voulais vous dire, moi j'ai un souci en fait, c'est que quand je fais les tractions, mes pieds, mes jambes basculent trop vers l'avant, tu vois. Donc ça me casse trop le cul, genre. En fait, je penche trop, mes jambes elles vont trop vers l'avant, je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est automatique. J'essaie de forcer, mais c'est chaud sa mère. Du coup, le Hillel Suprême, il m'avait conseillé de mettre une... enfin, il m'avait conseillé, on avait fait en même temps, il était là avec moi. On avait mis un élastique, comme ça on l'a accroché entre les barres. Et genre, je devais, en fait, tirer. Et fallait pas que mes jambes touchent l'élastique, sinon, bah, c'est-à-dire, je me penche trop vers l'avant. En vrai, c'est... ça casse les couilles, le fait que je me penche comme ça, genre. Je sais pas, mais c'est pas grave. Pourquoi je suis soufflé alors que j'ai fait que 10 tractions. Bon voilà les gars, la vidéo c'était juste pour vous dire qu'il neigeait, voilà, il neige à Paris, frère, what the fuck. Et du coup il neige et il y a lui là, il met du pain dans le four. Pain de Turquie, censé, pain Istanbul en Turquie. Qualité mon ami. Qualité. Donc voilà, avec le frérot là, il neige, putain c'est trop bien. Voilà, je voulais juste vous faire part de ma bonne humeur de frère, je sais pas pourquoi je fais cette vidéo. Viens manger, c'est bon, je vais préparer. Oh.